La liaison entre la ville de Mulsanne et Bentley, d'une part, Mulsanne est liée aux 24 heures du Mans, puisqu'il y a le célèbre virage de Mulsanne. Bentley a participé aux premières 24 heures du Mans, a gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans. Mulsanne est connue dans le monde entier par son virage, mais d'avoir en plus une voiture qui porte le nom de Mulsanne, surtout une voiture de prestige, c'est quelque chose d'important pour la ville de Mulsanne. Il y avait déjà eu une Bentley Mulsanne dans les années 1980. Après, je crois qu'il y a eu une Bentley Arnage. Et en 2009, nous avons appris que Bentley redésignait encore une voiture Mulsanne. Ce jour-là, nous avons été très fiers que Bentley choisisse encore la ville de Mulsanne pour donner le nom à une de ses voitures. Well, we've driven over from the factory at Crewe with a number of cars here to Mulsanne. It was great fun, a great trip. It's good fun to drive the old car, drive the 8-litre, but great to see the Mulsanne in convoy as well. We came down through England, meeting up on the way at the Bentley Drivers Club. Fast ferry over, fun trip down from Cherbourg last night to the south of Le Mans. And here we are in Mulsanne. For us to receive, as we have today, the badge of Mulsanne, the sort of the key to the city, effectively, it's a great honour. I mean, you know, our association with Le Mans goes back to 1923, and obviously this is an important part of the 24-hour circuit, and as such, has always been an important part of our history. And of course, we celebrated that by calling a Bentley after Mulsanne in the early 1980s, and then it's great to come back with the latest version of the Mulsanne to be here today.